Alors salut tout le monde, donc là on va reprendre un petit peu les basiques après la vidéo manucure qu'on a faite en début d'année. Là on va reprendre les bases en stamping et notamment en French, puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas trop comment faire les French ou même comment bien les réussir. Alors il existe, enfin, normalement quand on fait une French, on prend un vernis blanc et puis on met une couche de blanc en fait sur le bord libre de l'ongle. Le problème, c'est quand on fait sa French, alors on met déjà une base transparente, on met une couche de blanc et ensuite une couche de top coat. Le truc, c'est que avant que le blanc sèche, il faut attendre quand même un petit peu de temps et la plupart du temps, on bousille sa French parce qu'on a tapé nos doigts dans tout ce qui traîne à portée de main, quoi. Et du coup, la French, elle est toute bousillée. Donc, la meilleure technique pour avoir une French qui sèche quasi, enfin, même instantanément, c'est la méthode du stamping. Donc là, j'utilise la plaque M19, c'est la petite plaque ronde pour vous, M19 de chez Conad. Hop. Et voilà, c'est tout simple, rapide et efficace. Alors, je ne sais pas si on l'a bien vu, je vais essayer de la faire en me rapprochant un peu plus de la caméra. Je vais l'enlever, la retirer. Bon, alors l'avantage, c'est que moi, j'ai du gel semi-permanent sur mes ongles, donc je peux faire un peu ce que je veux en base. Alors, ce qu'il faut faire super attention, c'est d'éviter de faire ces French complètement de travers. Donc, quand vous tamponnez votre ongle, regardez en même temps bien où vous allez, où vous mettez votre blanc en fait en bordure. Oh, j'étais bancale. Pour éviter. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est de rajouter une petite fantaisie en plus en stamping sur notre French qu'on a déjà faite. Là, je prends des espèces de petites fleurs. Ça me fait penser à des fleurs un petit peu japonisantes. Ça va être la plaque M31. Donc là, je fais le stamping avec le noir. Donc, toujours mon racloir transparent pour ne pas abîmer la plaque. Et là, j'utilise mon petit bout Conad. Alors, elle était peut-être pas assez nettoyée parce que j'ai pas réussi à tout avoir. J'ai nettoyé l'autre bout en même temps. Et voilà. Je vais faire la même chose sur le pouce. Donc, comme d'habitude, on enlève ce qu'on a mis un peu partout. Et donc voilà. Alors si jamais vous n'êtes pas super doué en French et que vous voyez que votre ligne elle est un petit peu biscornue, il y a toujours un moyen de la camoufler, c'est de rajouter un thread liner. Donc là c'est Glitter Silver que j'utilise. Donc ça sert à rien de faire des gros traits super. Ça sert à rien de faire des gros traits super épais. C'est pas forcément plus joli. Enfin, on peut, hein, mais ça dépend de ce qu'on fait comme déco en fait. Mais là, plus c'est fin, mieux c'est. Voilà, ça c'est fait. Voilà ce que ça donne. Si je viens zoomer, voilà. Et donc au total, voilà une French. Voilà, toute simple. Là, c'est vraiment la base. Donc voilà, c'était une French au stamping. Donc pour ce faire, j'ai utilisé... Alors vous mettez toujours une base transparente. Hein. Moi, la mienne, j'en mets pas puisque j'ai du gel semi-permanent.
ce qui fait que ça rend vraiment super brillant. Donc là, vous n'oubliez pas, vous rajoutez une couche de top coat après pour bien protéger déjà le liner paillette que vous avez mis. Et puis surtout, vos décos et votre French surtout. Donc pour faire la French, j'ai utilisé moi la plaque M19 pour faire les French. C'est celle-là. Vous avez en fait de la plus petite French à la plus grande. Donc ça, c'est super pratique. C'est la plaque Conan, franchement, à avoir. Ensuite, j'ai utilisé dans la même lignée. Alors, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si on va la voir. Ici. Hop. C'est la M31. Voilà. Et donc, ça donne une petite déco sympa. J'ai rajouté un petit point de paillette aussi dans celui-là, que j'ai pas fait dans l'autre, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Voilà pour cette petite déco toute simple. Et je vais continuer dans la lignée des French, puisque là, c'est la French basique, la French simple. Il me reste encore des petites traces blanches, d'ailleurs. Je vais faire des petites French fantasy après. Donc, à bientôt pour une prochaine déco.